Hey, c'est Zosu, ses amis, c'est Antoine 17, quand allez-vous, moi c'est nickel. Cool, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Mario Kart 7. Et aujourd'hui, avant-dernier épisode, en effet, c'est le 7ème épisode de la série aujourd'hui. Et il nous reste plus que deux grands prix hein, à faire, à savoir donc la coupe éclair et la coupe spéciale. Et on va commencer bien évidemment aujourd'hui par la coupe éclair. On va jouer avec la princesse Peach, le carto cumulus, les roues flamblants blancs et les ailes bestiales. La coupe éclair donc avec au programme 4 circuits rétro, Cap Koopa de Mario Kart Wii, Jungle Dido Dido de Mario Kart Double Dash, Bateau Volant de Mario Kart DS et route arc-en-ciel de Super Mario Kart, la toute première route arc-en-ciel des Mario Kart. Donc on va finir par deux doubles, on va finir sur deux grands prix avec des routes arc-en-ciel. Donc voilà. Allez, on va commencer. Donc c'est parti, on commence avec le Cap Koopa de Mario Kart Wii, un de mes circuits préférés de Mario Kart Wii, Cap Koopa, de par aussi bien son tracé que par son ambiance qui était vraiment super sympa. Donc, vous savez de toute façon que Mario Kart Wii est mon Mario Kart préféré. Oh, j'ai cru que j'allais cramer. Ok, allez, c'est parti. Oh la vache. Alors, j'ai pas touché à un Mario Kart depuis la dernière vidéo. Hein. Même pas, pas de MK Wii, pas de MK7, aucun Mario Kart depuis la dernière vidéo. Donc, ça fait un certain temps que j'ai pas joué. Ça doit faire 3 semaines, je crois, qu'il n'y a pas eu d'épisode de Mario Kart. Je m'en excuse, mais on a été pas mal retardé déjà, rien qu'avec les épisodes de la carte d'Antonin. Plus après les différents Sun versus Dad, tournois, etc. qu'on a fait. Donc voilà. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de Sun versus Dad. Je sais, on vous avait dit qu'il y aurait un Sun versus Dad. Nous-mêmes, honnêtement, hein, on vous le dit, il faut qu'on avance au niveau des Sun versus Dad. Pourquoi j'ai activé ma feuille, je ne sais pas. Mais donc ouais, faut qu'on avance le Sun vs Dad. La semaine prochaine on va essayer de vous en tourner deux si possible. Et vous en sortir deux. Ce serait pas mal. Donc voilà, hier on a fait un petit live Minecraft avec Nibla hein, du coup. Je me suis pris quoi. Donc ouais, je vous invite à aller... Ah purée la bleue. Je vous invite... Purée de la qui tue. Je vous invite à aller voir ça. Petit live Minecraft donc avec Nibla. Donc moi la rediff est dispo sur ma chaîne Twitch. Si vous voulez aller voir. Et sinon la rediff du live complète est disponible sur la chaîne YouTube de Nibla. Si vous voulez pas aller voir sur Twitch. Allez hop, merci la qui tue. Il y a une seule banane sur le chemin, faut que je me la mange, c'est une blague. Donc ouais, voilà. Peut-être dans la semaine prochaine, on verra, il y aura sûrement la finale de l'Europa Conference League. Je peux pas encore vous assurer qu'il y aura. S'il y a, ce sera mardi ou mercredi. S'il y a donc tournoi de l'Europa Conference League hein, sur FIFA avec Retro Uvenibla. Il y a peu de chances que ça arrive, on verra, mais le problème c'est que Nibla est dispo à une heure assez tardive pour faire le live. Donc il y a probablement peu de chances qu'on le fasse. On sait jamais, je vous tiens au courant de toute façon. Et puis si ça arrive pas, on essaiera de vous le faire ce week-end. Le week-end, hein, le tournoi. Que de toute façon il y aura des épisodes de la carte d'Antonin qu'on va tourner en avance nous de notre côté avec RetroVive. Donc voilà. Allez, donc première victoire sur le Cap Koopa. On passe maintenant à Jungle Dino Dino de Mario Kart Double Dash. C'est parti, circuit très très sympa de Mario Kart Double Dash. C'est l'un des rares Mario Kart Double Dash auquel je n'ai jamais joué. C'est même le seul Mario Kart auquel je n'ai jamais joué Double Dash. Malheureusement j'ai jamais acheté le jeu, j'ai pas de GameCube non plus et j'ai jamais testé le jeu sur émulateur. Parce que je ne possède tout simplement pas le jeu. Et le problème c'est que Double Dash coûte de nos jours
coûte super cher, 30 balles le jeu d'occasion. Alors ça reste un très bon titre, je dis pas le contraire, mais bon, il s'en est quand même vendu pas mal, donc 30 balles je trouve c'est un peu abusif. Après c'est le marché du jeu rétro qui est comme ça. Ah, bien joué les gars. Et moi j'ai tombé dans le vide. Je suis vraiment qu'un abruti moi aussi. Ah, salut DK. Alors, on va passer au niveau du dino. Attention à pas se le manger sinon on se fait piéger. Petite billball, c'est parti. Tu vas nous lâcher dans le virage, non ça va. Attention à la bobombe de là qui tue. Je vais m'éloigner. Hop là, là qui tue. Mascasse, pardon. Wesh! Oh purée, j'y arrive pas sur cette map. C'est la map qu'on prend en compte la montre, hein, jungle dino dino. Allez là. Remonte Tada. Il nous reste un tour pour essayer de remonter en première place. Oh là, il s'est fait écraser là le mec, non? Oh non, apparemment. Ah le là, c'est là qui tue qui est en tête. Hors de question que je le laisse gagner. Et boum, ça passe en première place. Et attention, pas se foirer ici. Let's go. Hop là. Ah, il a une rouge. Wouah, j'ai failli me faire avoir par le dino. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, let's go. Let's go, c'est la win. Oh, c'est trop bon, Tada, sur le dernier tour. Parfait. Allez, ouh, là, qui tu sais passer, non? Ah non, pardon. Allez, on y va. Du coup, troisième course. Le bateau volant de Mario Kart DS. C'est parti, c'est une map très très appréciée hein, des joueurs, le bateau volant de Mario Kart DS. Je vous avoue que c'est une map à laquelle je suis assez indifférent honnêtement cette map. J'aime pas spécialement le décor, le tracé est... Allez, sympa, mais le décor je trouve est assez, assez anecdotique. Le tracé est plutôt sympa par contre parce qu'il y a... Il y a pas mal de points assez techniques, notamment la grande tour qu'il faut descendre là juste après le canon. Cette tour là qui est assez sympa. Hop. Attention au billball. Le son du jeu est vachement fort dans mes oreilles. J'espère que... Waouh, vas-y. Touche qui bug. J'espère que c'est pas pareil pour vous. Ok. Mais gros. Ah, ça m'énerve là, cette touche qui bug. Waouh, on était super proche du mur là. Purée d'éclair. Et bon, essayer d'avoir au moins les 10 pièces, comme ça, ça se sera fait. Il n'y a pas eu de bleu sur la course précédente, si. Je sais plus. Bon, j'espère ne pas me prendre un karma après avoir dit ça. En tout cas, s'il y a eu une bleue, c'est pas moi qui me l'a supprimé, hein, puisque j'ai été premier que sur la dernière partie du... Sur le dernier tour. Attention flamme.
Allez, nickel. La win, et puis alors là, assez largement, on n'aura pas eu de soucis. Allez, c'est parti, dernière course. La route arc-en-ciel de la SNES qui sera plus tard repris dans les DLC de Mario Kart 8 sur Wii U. Et donc ensuite dans Mario Kart 8 Deluxe, hein, dans les courses de base avant les DLC. D'ailleurs, on attend toujours des infos sur la deuxième vague, hein, de DLC, on n'a toujours pas eu d'infos. Normalement, ça aurait dû sortir ce mois-ci. J'ai de plus en plus de mal à croire que ça sorte, hein, ce mois-ci. Oh la vache, c'est chaud. Il y a même, je pense, très peu de chances que ça sorte ce mois-ci. Là, honnêtement, on n'a toujours pas d'infos au mois de juillet. Il y a des chances que ça sorte qu'au mois de septembre, en fait, qu'à la rentrée. Mais alors, ça voudrait dire que sur les dernières vagues de DLC, on va les enchaîner. Pourquoi j'ai fait ça? Donc ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, moi, dès qu'on aura l'annonce de la deuxième vague de DLC, on s'occupera de la première vague de DLC en vidéo. Et puis ensuite, on fera l'autre vague. Ah bah, nickel, une rouge de gaspiller. Je vois rien du tout. Oh la vache. Allez, dernier tour. Ça, sur cette map plutôt courte, hein, comme toutes les maps de la SNES. On fera bien évidemment un let's play, hein, sur Mario Kart, sur Super Mario Kart. On va faire un let's play, hein, sur tous les Mario Kart possibles et imaginables, jamais sortis et qui sortiront par la suite. Ah ouais! Oh, ce combo que je viens de me prendre! C'est illégal de se prendre un combo comme ça, je crois. Allez, la win pour finir, du coup. Les 3 étoiles, parfait. Et puis nous, on va s'élancer bien évidemment pour un petit contre-la-montre. Un petit été. Bon, la cinématique, vous l'avez déjà vue. Ah, j'ai que 2 étoiles ? Pourquoi ? Bon, bref, je vais pas chercher à comprendre. Ah ouais, non, la cinématique, on la regardera pour le dernier épisode. Je sais que je suis le meilleur. Alors, du coup, le contre-la-montre. Le contre-la-montre, le contre-la-montre. Alors, juste. Un joueur, on va tout de suite donc s'élancer, je vais préparer. Hop, alors le contre-la-montre, donc on sera sur la jungle Dino Dino, l'expert staff Ghost, qui est du coup en 2-14-430 avec Yoshi, l'œuf, les roues, les grosses roues et le parapente. Et le world record du coup sur jungle Dino Dino qui est en 1-48-384, il y a 30 secondes pratiquement. Donc détenu par un français qui s'appelle Alpha, qui l'a depuis le 28 novembre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec Metal Mario, l'Intrépide, les Rousslick et le Beast Glider. Écoutez, on y va, hein, c'est parti, on perd pas plus de temps. 2-14 et quelques à battre. Du coup, Metal Mario, l'Intrépide, les Rousslick qui sont là et les ailes bestiales. C'est parti pour la jungle Dino Dino.
Ouais, c'est bon, ça passe. Let's go. 2-12-2. Oh, j'ai bien amélioré là. Wouh. Bon. Oh, je l'ai mis 2 secondes. Voilà. Oh la vache. En vrai ça va, celui-là j'ai pas trop de try hein. J'ai mis quoi, les 5 minutes de try. En vrai ouais, j'ai mis 2 essais. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ça va être un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. À vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, ça me fait également super plaisir. Et ça me rend de continuer mon aventure YouTube. Argent dans le serveur Discord et dans la description de la vidéo sur le serveur Discord. On pourrait discuter ensemble, je sais pas, c'est parti avec les abonnés, etc. etc. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitch et sur Facebook, sur Twitter, des lives, écoutez la suite de notre mode My Team, de défi Playoff Moment sur My Team, sur NBA 2K 22. C'est tous les mercredis en live sur Twitch, donc soyez présents, c'est sur PC. Et sur Facebook, vous serez prévenu d'une sortie vidéo de mes projets quand il y aura des lives. Et sur l'ensemble de la vidéo en cours, si vous êtes présenté aujourd'hui ou non, avec du retard, etc. etc. Voilà, enfin bref, moi je vous lis à très bientôt pour une prochaine. Au week-end prochain, déjà pour le Grand Prix de France de Formule 1. Et puis pour la suite, la guerre d'Antonin. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!